C'est une édition spéciale. C'est une édition spéciale pour ceux qui ont l'habitude de nous suivre dans nos lives. Vous allez voir qu'on vous donne beaucoup d'informations sur bâtir l'être avant de recevoir la voix. Bâtir l'être avant de recevoir la voix. Il faut commencer par se construire nous-mêmes. Il a été prouvé que les gens qui gagnent des millions rapidement les perdent dans les 5 prochaines années. Parce que si vous avez des mauvaises habitudes de vie, en hébreu on appelle ça des midot, ça, des midot, si vous avez de bonnes midot, de bons traits de caractère, lorsque vous allez avoir l'argent, ça va amplifier ces traits de caractère-là. Mais si vous avez des mauvais traits de caractère, c'est la même chose. L'argent va juste amplifier la personne que vous êtes. Bref, il est important de bâtir ces traits de caractère. Donc, c'est pour ça que c'est super important de bâtir l'être avant de recevoir la voix. Mais c'est une édition spéciale présentement. Pourquoi je vous dis ça? C'est parce que vous savez que je suis beaucoup impliqué dans le monde de la mystique. Je parle pas de sorcellerie, je parle pas de magie comme vous l'entendez. Écoutez, moi, je parle au niveau. Regardez Moïse. Moïse avait séparé la mer en deux, transformé son bâton en serpent devant Pharaon, attaqué l'Égypte avec les 10 plaies pour libérer le peuple d'Israël. Bref, c'est ce que j'appelle la mystique. Il n'a pas fait avec ses propres forces. Si on regarde Joseph qui a été vendu par ses frères, par la suite, il a été racheté par Potiphar, trahi par la maîtresse de Potiphar, je ne rentre pas dans les détails, ensuite jeté en prison, ensuite à travers tout ça, il révélait les songes, les rêves, puis il est passé de la prison à vice-pharaon. Imaginez, c'est comme du jour au lendemain, vous êtes en charge du pays, là. Donc, quand on parle de marcher sur l'eau, transformer l'eau en vin, ressusciter les morts, je parle pas de sorcellerie, du tout, du tout, du tout. Du tout. Mais suivez-nous. On nous appelle présentement. On prendra pas d'appel présentement, ni de message. Je veux juste partager cette édition spéciale côté mystique, juste pour clarifier des choses. Quand on parle de mystique, c'est drôle, hein? Autour de nous, il y a toutes sortes d'ondes. Les CB, les radios, les télévisions, les cellulaires, les Wi-Fi, Bluetooth. Dans le passé, si on avait cette technologie, les gens auraient appelé ça de la magie. Mais aujourd'hui, que la science a pu décortiquer comment utiliser les ondes, les fréquences et vibrations, maintenant c'est scientifique, c'est technologique. On est dans le monde de l'hologramme. Tout va être maintenant hologramme, hologramme, hologramme. On pourra même faire dans le ciel, faire voler des soucoupes volantes en hologramme, vu qu'on ne peut pas les toucher. On va croire qu'il y a vraiment des extraterrestres qui nous attaquent. Bref, la technologie est tellement avancée. On parle de téléportation, mais tout ce qui existe aujourd'hui existait dans le passé. La téléportation, pour vous aujourd'hui, c'est considéré de la mystique, mais dans quelques années, ça va être chose courante. Puis quand on parle de téléportation, ce que les gens pense de la téléportation, c'est comme vous êtes ici, puis vous avez. Ok, on part du Canada, puis on apparaît à Paris. Non, 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 non. Dans le monde de la mystique, la téléportation, c'est vous restez sur place et votre. C'est Paris qui vient à vous. La planète se déplace rapidement. Vous modifiez. Bref, ok, je ne rentrerai pas dans tous les détails. Édition spéciale, je voulais juste vous donner, vous faire réaliser que c'est pas parce que vous comprenez pas. Tous les éléments, comment fonctionne notre planète, l'univers, le créateur de l'univers, etc., que la mystique n'existe pas. Ok, je vais vous donner une édition spéciale, c'est vraiment une édition spéciale. Je vais vous dire comment ça fonctionne, juste quelques points de base, ok, vite, vite, vite. Vous avez les planètes, ok? Les planètes, pour que vous puissiez comprendre, les planètes sont comme des distributrices. Okay? Vous avez les anges qui sont les distributeurs. Donc, c'est les anges qui sont les messagers qui viennent remplir les planètes. Puis vous avez le fournisseur qui est le maître de l'univers, le créateur, qui est le big boss. Donc, le fournisseur donne aux anges qui sont les distributeurs
les éléments à mettre dans les planètes qui sont les distributrices, et les planètes ont une influence directement sur nous en tant qu'être humain. Si, c'est pour ça que quand vous êtes né à une date précise, à une heure précise, à un endroit précis, vous avez un nom précis, tout ça modifie la structure de votre destin. Donc, la mystique, elle existe. C'est pas parce que vous voyez pas les ondes autour de vous que ça n'existe pas. Comment un arbre se nourrit? Un arbre se nourrit par ses racines. C'est pas parce que vous voyez pas les racines de l'arbre que les racines n'existent pas. C'est pas parce que vous ne voyez pas quelque chose que la chose n'existe pas. C'est pas parce que vous voyez pas le créateur de l'univers, les anges, ou que vous n'avez pas accès aux planètes, que ça n'existe pas. Vous voyez pas les ondes autour de vous. Vous voyez pas les... Vous pouvez pas percevoir. Ok. Prenez le sifflet, les sifflets pour chien. On siffle, le chien il entend. C'est pas parce qu'on n'entend pas quelque chose que ça n'existe pas. C'est pas parce qu'on ne voit pas quelque chose que ça n'existe pas. Donc, il est temps de changer de mentalité. Tant que les gens ne comprennent pas quelque chose, on l'appelle magie, on l'appelle sorcellerie, on l'appelle mystère, on l'appelle mystique, on lui donne toutes sortes de noms. Parce qu'on est ignorant, parce qu'on ne comprend pas les choses. Mais une fois qu'on les comprend, on réalise que non, tout est naturel. Le maître de l'univers a tout créé pour des raisons bien particulières. Là où est le danger, quand on parle de sorcellerie, c'est ou de magie noire, puis toutes ces affaires-là, c'est lorsque vous forcez les distributrices, qui sont les planètes, c'est quand vous les forcez à vous servir, à vous donner de l'argent, à vous donner de l'amour. Vous... Quand vous commencez à forcer les éléments, là, vous jouez sur le terrain du fournisseur qui est sur son trône, le roi. Il regarde ça et il dit, il y a une facture à payer. Et entre nous deux, la facture, c'est la mort. À la fin, ils perdent toute la tête. Je vous dis, à la fin, ils perdent toute la tête. Vous n'êtes peut-être pas habitué au monde de la mystique, bref, vous n'avez pas besoin d'entrer dedans. Mais le comprendre, c'est intéressant. C'est intéressant parce qu'après, on réalise qu'on est vraiment une âme dans un véhicule terrestre qui est le corps. Oui, le corps, il est mortel. OK? C'est un véhicule terrestre comme votre voiture. Quand il y a une date d'expiration, quand il est passé, mais l'âme passe au prochain tableau. L'âme est vivante. Vous êtes vivant, vous êtes éternel. Quand votre perception, elle change, vous voyez la vie complètement différente. Quand on vous donne le manuel, quand on vous explique comment fonctionne cette vie, la vie devient excitante, passionnante, puis vous pouvez jouer au jeu. C'est vraiment... Tout ce que j'aimerais, c'est partager avec vous cette passion, cette compréhension, juste avoir la chance de pouvoir comprendre des choses qui nous sont cachées. Pourquoi? Pour rien. Pour nous manipuler, pour nous forcer. Là, on vit dans une société, les gens sont stressés par tous les événements. Pourquoi? C'est qui le patron? C'est qui le patron? Méfiez-vous. Arrêtez de vous confier en l'être humain. OK? Il y a des forces supérieures à l'être humain. On n'est que des faibles mortels. On n'est que des faibles mortels. Donc, revisons rapidement. Toutes les planètes ont un impact sur nous. C'est pour ça qu'il y a des journées, tous les gens sont marabouts, les gens conduisent mal sur la route, il y a des journées, les gens sont heureux, il y a des journées, les gens ont, tout le monde est excité, veut faire l'amour. Les planètes influencent l'être humain. C'est incontournable. Comme la force de la pesanteur, qu'on appelle la gravité, c'est incontournable. Que vous êtes d'accord ou pas, si vous vous jetez en bas d'un pont, vous allez tomber. Ne faites pas ça. Ne faites pas ça. Restez avec nous. Édition spéciale. Restez avec nous. C'est super intéressant. Maintenant, une fois que vous comprenez que les planètes ont un impact directement sur nous, sur notre humeur, sur notre destinée, sur comment on sent, vous devez savoir, OK, ça c'est vraiment exclusif. Je ne sais même pas pourquoi je vous partage ça. C'est vraiment exclusif. Mais il y a possibilité de passer à côté. Puis de faire affaire directement avec le fournisseur sans être influencé par les distributrices qui sont les planètes. Oh boy. Suivez les prochains lives. Je vais vous donner d'autres exclusivités, mais je m'en vais vraiment trop loin peut-être avec vous présentement. Mais je veux juste que vous puissiez comprendre que quand on parle du club des riches, le club des riches, c'est quoi? C'est justement ça. C'est riche en connaissances, riche en partage, riche en bâtir l'être avant de recevoir l'avoir. C'est quoi la richesse? Est-ce que vous pouvez... Vous êtes venu tout seul. Vous êtes venu avec rien du tout, tout nu sur terre, avec rien du tout. Vous allez partir sans rien du tout. Donc la richesse physique, matérielle, it's nothing, c'est rien.
Quand vous connaissez les règles des finances puis tout ça, aucun problème. Vous pouvez tous être riches. On peut tous être riches, on peut tous être millionnaires, on peut tous être milliardaires. C'est rien du tout. Mais ce que les milliardaires puis les milliardaires puis les millionnaires ne vous disent pas, c'est que quand tu arrives à un certain niveau, tu peux plus juste faire affaire avec des technicalités de placement, de ceci, de cela. Il y a supérieur à ça. Alors, c'est là que les gens prennent. Il y a comme deux portes. Il y a une porte large, puis il y a une porte étroite. Okay? Façon de parler. La porte large, c'est la porte où les gens rentrent, puis là, c'est là qu'on entend parler des fameux pactes qu'ils font avec certaines forces négatives. Justement, c'est là qui force. Les distributrices, c'est comme si vous êtes devant une distributrice puis vous la secouez là pour avoir ce qui est dedans, là, les chips, les chocolats, les coke. C'est un crime. Ne faites pas ça. Donc, lorsque les gens font des pactes pour forcer leur richesse, pour forcer leur amour, pour forcer, pour passer à la prochaine étape, c'est illégal. Ok, il y a des conséquences. La maladie, les accidents. Les malheurs, ça c'est les trois conséquences. La maladie, les accidents, les malheurs. Et l'ultime finale, la mort. Puis quand on parle de la mort, ben, le véhicule terrestre, on vous donne plus, le Big Boss vous donne plus de véhicule terrestre pour plus saboter son système. C'est lui le patron, il est sur son trône. C'est ça le problème. La monarchie, vous croyez que ça n'existe pas. Dans tout ce qui existe dans notre monde physique que vous voyez là, qui est tangible, qui est palpable, existe dans le monde virtuel. Le monde, l'autre dimension. Je ne vais pas dire virtuel. L'autre dimension. La dimension que vous ne voyez pas. Ce n'est pas parce que vous ne voyez pas quelque chose que ça n'existe pas. Maintenant, rappelez-vous, OK, que les planètes sont des distributrices. Les anges sont des distributeurs. Donc, le boss, le grand patron sur son trône, donne des ordres à ces anges qui sont les distributeurs d'aller mettre dans les planètes qui sont les distributrices. Qu'est-ce qu'il faut pour que vous soyez béni ou maudit. Cause et effet. Oh, wow. Pour de vrai, jamais j'aurais pensé faire un live là, en vous donnant toutes ces informations. Je voulais donner un petit exclusif, mais là, je vous donne beaucoup trop de matière, puis je voudrais pas que vous fassiez une indigestion. Bref, suivez nos lives. Je vais aller graduellement, mais je voulais juste que vous puissiez comprendre que c'est beaucoup plus. Quand on parle du club des riches, c'est beaucoup plus que d'histoire d'argent. Tout ça, it's nothing, c'est rien. C'est vraiment la compréhension de comment bâtir l'être avant de recevoir l'avoir. Comment bâtir l'être avant de recevoir l'amour de notre vie. Vous comprenez même pas les règles du jeu, puis vous voulez tomber en amour avec quelqu'un. Qu'est-ce que vous allez donner à la personne? Des problèmes. Vous allez ramasser tout votre bagage émotionnel tordu, votre incompréhension de la planète. Vous allez mettre ça dans votre relation, chicane, problème, etc. Puis après, vous êtes en dépression, vous aimez plus la personne. Écoute, il y a des façons beaucoup plus simples de faire les choses. Juste, c'est comme quelqu'un qui décide d'acheter un meuble, puis qui dit, moi, je ne vais pas lire les instructions pour le monter. Je vais faire à ma tête, je vais faire mon style à moi, je vais le monter. Puis à la fin, quand il est complètement monté, il dit, oh, il y a une patte qui devait être placée. Je comprends pas, on regarde un manuel, ah, faut tout défaire le meuble pour le rebâtir. Pourquoi vous rallonger dans la vie? Vous avez l'opportunité maintenant de éviter les pièges, éviter les trous, aller directement au sommet du succès. Prenez-le. Habituellement, c'est dans un cercle fermé. C'est secret ce que je vous dis. Là, je le partage avec vous parce que je vois que la tête, le monde est à l'envers, littéralement, ça n'a aucun sens. Quand vous regardez les médias, quand vous voyez la politique, quand vous voyez tout ce qui se passe, c'est comme, mais où on s'en va? Mais ce qui est merveilleux, c'est quand vous n'êtes pas affecté ou influencé par votre entourage parce que vous faites affaire avec des forces supérieures, parce que vous faites affaire avec le Big Boss. Donc, leçon aujourd'hui, exclusivité, c'est pas les lives que je fais d'habitude, mais il fallait que je vous donne un peu de matière, un peu de substance pour que vous puissiez comprendre qu'ici, dans le club des riches, il y a plus que ce que vous pouvez trouver ailleurs. Si vous voulez quelque chose de différent, ici, vous allez avoir ce genre d'informations-là. On va y aller graduellement, mais si vous voulez avoir un petit peu plus sur comment fonctionne cette planète-là, comment arriver au sommet sans prendre des noms
du créateur de l'univers pour forcer les distributrices à vous donner des choses, pour forcer les anges qui sont les distributeurs à vous servir. Oh, en passant, ça c'est le pire. Hein. Ça c'est le pire. Je vais finir avec ça, mais on nous a vendu l'idée que les anges étaient des petits enfants aux cheveux blonds avec des petites ailes qui sont cute. Si un jour, je ne vous le souhaite pas, mais si un jour, par mégarde, vous feriez face à un ange qui s'est pas mis dans une forme agréable à vos yeux ou humaine, dans sa forme originale, je vais vous dire, comme on. Je devrais. Poliment, là, sans dire de bêtises, vous allez avoir la frousse. Même il y a des gens qui vont penser qu'ils font face à Dieu. Littéralement, ils vont penser que c'est Dieu qui est devant eux. Et pourtant, ce n'est qu'un ange. Donc, je peux même pas. L'être humain ne peut même pas concevoir la magnitude, la grandeur, la splendeur. À quel point c'est. En passant, vous ne pouvez pas faire face au créateur de l'univers. Vous ne pouvez pas faire face à Dieu. Si vous voyez le maître de l'univers, vous mourrez. Ceux qui rentrent très loin dans la mystique. Ah, je ne vais pas rentrer dans tout ça avec vous. Bref, rappelez-vous qu'il y a beaucoup plus que ce que vous voyez avec vos yeux. Faites vos propres recherches. Arrêtez de juste écouter ce que les gens vous disent, puis oui. Non, faites vos recherches. Même moi. Écoutez pas ce que je dis à 100% sans faire de recherche. Mais quand vous allez faire vos recherches, vous allez dire, il y avait raison. Mais faites vos recherches. Prenez pas pour du cash tout ce que je vous dis. Faites vos recherches. Prenez pas pour du cash tout ce que les médias vous disent. Qu'est-ce que vous banquiers, vos planificateurs financiers vous disent, que la justice vous dit, ce que peu importe. Faites toujours vos recherches. Faites vos recherches. Ne vous faites pas avoir par l'ignorance. Le succès est une décision. Réussir est un choix. L'humilité précède la gloire. Ok? Donc rappelez-vous, la sagesse, c'est la richesse. Le savoir, c'est le pouvoir, et l'humilité précède la gloire. Gardez l'œil ouvert, car l'œil vous regarde. Bon succès, merci d'être avec moi. Bon succès à vous tous.